La 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 la.
전날에 기쁜 전날에 전진하던 날 멈춰 전날에 이틀 사랑으로 이룬 나라인가 5월 전남 후반의 나라인가 한일인 여전히 여기에 붉은 비옥을 들어 한달기 꽃으로 나는 사람들 있다 보라 여기에 붉은 비옥을 들어 한달기 꽃으로 나는 사람들 있다 말고 달려
헤드라이트를 켠 채 본청을 향해 진격하고 있어. 살인 배짱이 나를 구한 해 죽이고 찔러 죽이고 나라를 지키는 군인들이 어찌 이럴 수 있단 말이야. 광주 시민들에게 또다시 죽음의 그림자가 드리우고서 광주를 빠져나가는 자는 무조건 사살. 광주 우리파 작전이 시작되었다. 주남마을 주민버스 총격. 광주교도소 민간인 사살. 이
1980년 5월 27일 새벽 5시 20분 도청 진압작전 중. 그것은 각오했던 죽음. 그것은 승산 없는 싸움. 그러나 그들은 선택했냐? 광주 시민들, 이 나라 민주주의.
pouvoir. Les manifestations d'étudiants s'organisent dans tout le pays. À Guangzhou, les protestations des étudiants deviennent celles de tous les citoyens. Les soldats décident alors de réprimer la foule avec des armes à feu et des couteaux. Des coups de feu sont tirés sur la foule des manifestants et plus d'un millier de personnes sont alors tuées. Le nombre total de citoyens de Guangzhou tués pendant le soulèvement n'a jamais été révélé et les responsables n'ont pas été punis. Il nous incombe de découvrir cette vérité. Donc le dernier morceau qui a été présenté, Arrêtez-les, ne les laissez jamais faire, est un spectacle sur Guangzhou qui était sous la loi martiale en mai 1980 par l'armée fasciste. Le spectacle dépeint la brutalité de cette armée et la résistance des habitants de Guangzhou.
So
정책으로 수많은 유럽의 민중들이 고통받고 있습니다. 분단된 한국의 민중들 또한 마찬가지입니다. 제국주의에 맞서 싸우는 것만이 우리가 그토록 바라는 자유와 평화를 이루어내는 것입니다. 그 누구도 우리의 운명을 대신할 수는 없습니다. 단결된 민중의 힘으로 새로운 세상을 개척해 나갑시다. 땡큐. De l'impérialisme américain et de l'OTAN. Pour nous, pour parvenir à, à un monde où il y a une liberté, une véritable liberté et la paix durable, il faut combattre l'impérialisme américain. Nous aussi, le peuple coréen qui vit toujours dans un pays divisé en deux, pour nous, c'est un véritable atout, c'est un véritable objectif de notre combat. Ensemble, ouvrons une nouvelle histoire par la force d'un peuple uni et organisé. Merci. 한 외침으로 변화
Qui est à l'initiative de la plateforme mondiale anti-impérialiste. Vous avez vu des Coréens du Sud qui chantaient en italien, qui chantaient déjà en Amérique du Sud, parce que l'impérialisme il est mondial, mais la lutte des peuples pour la paix et pour la liberté et pour l'indépendance, elle est aussi mondiale. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent, tout à l'heure à 18h, à 9 rue Saint-André, dans le 14e, à la maison de la commune, on présentera quelle est cette plateforme mondiale anti-impérialiste qui regroupe des forces de 80 pays du monde, qui refuse la guerre, qui refuse l'impérialisme et qui la refuse la guerre, que ce soit en Corée, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Palestine. Et nous disons oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui à la liberté de chacun de vivre dans son pays et sur sa terre. Mais c'est bien ça qui est en cours. Et pour les Coréens, ça veut dire la réunification de la Corée. Et c'est ça que nous soutenons, comme nous soutenons aussi la lutte des Palestiniens pour se libérer de la colonisation israélienne. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, la banderole en dit beaucoup. Et si vous voulez venir derrière pour la photo, vous êtes les bienvenus. Which began with the war in Ukraine in 2022 and deepened with the war in Palestine and the Middle East in 2023 is about to be in full swing with the outbreak of the war in East Asia and the expansion of the war in East Europe.
officers are intensifying and expanding the war on the global scale by putting NATO at the forefront in Europe and Israel in the Middle East and orchestrating the Asian version of NATO in East Asia. The outbreak of wars in South Korea and Taiwan in East Asia and the expansion of the war in Ukraine into Eastern Europe will be a signal flame of the full-scale escalation of World War III. And the new Cold War, these facts demonstrate that as long as the U.S. imperialist and its aggressive military alliance, NATO, exists, the war will continue, and the workers and the people of Europe will be a perpetual state of war. Because of South Korean President Yoon Suk-yeol, South Korea and East Asia are sitting a power check. He is acting as a fascist puppet of imperialism, just like the Ukraine neo-Nazi Zelensky. By serving the U.S. imperialists and Japanese militaries and conducting daily war exercise against North Korea, Yoon is providing Ukraine with aggressive weapons indirectly through Poland. This fact shows Yoon is bent on expanding the war in Europe into Eastern Europe. South Korean progressive forces are struggling for independence and democracy in Korea and world peace and stability with the struggle to outdraw Yoon Suk-yeol. Today, we can confirm that the hope for French Revolution lies here. The ANC pursues anti-imperialism, anti-war peace, and is fighting with a strong sense of responsibility for the dignity and the future of French workers and people. We are confident that the heroic life-threatening struggle of the French workers and the people who inherit the brilliant history of the resistance struggle during World War II is for the progressive development of France and also contributes to the strengthening of the world anti-imperialist united front. The world anti-imperialist platform will move forward together in solid solidarity with the French workers and the world anti-imperialist platform will strengthen the global anti-imperialist joint struggle and put an end to the common enemies of the world people, U.S. imperialism, NATO, and fascist corruption. The world anti-imperialist platform is confident that with the power of European people, we can dismantle NATO, the imperialist aggression war alliance, and eradicate the imperialist aggression forces, the force of war through the joint struggle of the world's progress of humanity. We will continue to move forward for a new victory for people's democracy under the scientific conviction that peoples of the world unite, and that united people we always win. The final victory of the anti-imperialist camp is justice and inevitable. Stop the imperialist drive to war! Withdraw all U.S. military bases. The United people surely win. Et les peuples à la mort. La troisième guerre mondiale, avec la guerre en Ukraine depuis 2022 et la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien et dans tout le Moyen-Orient, est sur le point de battre son plein avec le déclenchement de la guerre en Asie de l'Est et l'expansion de la guerre en Europe de l'Est. Les agresseurs impérialistes américains intensifient et étendent la guerre à l'échelle mondiale, en plaçant l'OTAN en première ligne en Europe et Israël au Moyen-Orient et en orchestrant la version asiatique de l'OTAN en Asie de l'Est. Le déclenchement de guerre en Corée du Sud et à Taïwan en Asie de l'Est et l'extension de la guerre en Ukraine en Europe de l'Est seront le signal de l'escalade à grande échelle de la Troisième Guerre mondiale et de la Nouvelle Guerre froide. Ces faits démontrent que tant que les impérialistes américains et leurs alliances agressives, l'OTAN,
existeront, la guerre ne se poursuivra et les travailleurs et les peuples d'Europe seront dans un état de guerre perpétuelle. À cause du président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, la Corée du Sud et l'Asie de l'Est sont assises sur un baril de poudre. Il agit comme une marionnette fasciste de l'impérialisme, tout comme le néo-nazi ukrainien Zelensky, en servant les impérialistes américains et les militaristes japonais et en menant des exercices de guerre quotidiens contre la Corée du Nord. Yoon fournit à l'Ukraine des armes agressives indirectement par l'intermédiaire de la Pologne. Ce fait montre que Yoon est déterminé à étendre la guerre à l'Ukraine à toute l'Europe de l'Est. Les forces progressistes sud-coréennes luttent pour l'indépendance et la démocratie en Corée et pour la paix et la stabilité dans le monde en luttant pour renverser Yoon Suk-yeol. La plateforme mondiale anti-impérialiste renforcera la lutte commune anti-impérialiste mondiale et mettra fin aux ennemis communs des peuples du monde. L'impérialisme américain, l'OTAN et les marionnettes fascistes, la plateforme mondiale anti-impérialiste est convaincue qu'avec le pouvoir du peuple européen, nous pouvons démanteler l'OTAN, l'alliance de guerre et d'agression impérialiste, et éradiquer les forces d'agression source de la guerre. Grâce à la lutte commune de l'humanité progressiste du monde, nous continuerons à aller de l'avant pour une nouvelle victoire de la démocratie populaire, avec la condition que, peuple du monde, unissez-vous, un peuple uni gagnera toujours. La victoire finale du camp anti-impérialiste est juste et inévitable. Arrêt immédiat de la course à la guerre impérialiste, retrait de toutes les bases militaires américaines, le peuple uni vaincra. Oh,